petits camarades, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 novembre 2019. Et je suis parti, il fait beau, là, marcher un petit peu après un bon repas sur la Transsemoisienne, donc entre Tillet et Nau, les Hautes Rivières. Enfin voilà, un trajet que j'aime bien, que je connais bien, bien sympathique. Et puis de ce temps-là, ça stimule, hein. Allez, je vous laisse, à tout de suite. Et bien voilà, un joli petit ruisseau qui coule des bois là, sur les bois côtés. Alors derrière moi, comme vous voyez, on est à la halte de Nau, là. Ben, il y a un pont que mon ami Frédéric Vignal appelle le pont de la rivière Kouaï. C'est vrai qu'il y a une vague ressemblance, hein. Voilà, c'est bien sympathique, hein. Donc c'est un pont qui passe au-dessus de la Semois. Là, il y a mon copain le cheval qui est en train de manger son herbe tranquillement là. Il fait 3 degrés dehors, hein. Regardez-moi cette belle nature là. Alors c'est vraiment un plaisir, hein, de faire des randos quand il fait ce temps-là. Alors il fait froid, mais bon, il pleut pas, il neige pas, il grêle pas, il y a peu de vent, c'est bien sympathique, hein. Il y a quand même du soleil. Alors on respire, hein. Je ne vous dis que ça. Alors là, il y a deux ruisseaux qui se rejoignent. Sublime, sublime, sublime. Et ça vient de tout là-haut, hein, les copains. Ah, ça, c'est vrai que j'adore particulièrement ces espèces de petits ruisseaux qui se transforment en mini-cascades. Et le bruit est fabuleux. Hein. Le symbole même de la vie. J'ai beau avoir pratiqué cette voie transsemoisienne plusieurs fois, mais bon, à chaque saison, il y a une beauté particulière. Il y a comme un mystère particulier. J'adore. Vous voyez que c'est vraiment des paysages de toute beauté. C'est splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Et cette eau qui coule partout le long de ce joli chemin, franchement, qu'est-ce qu'on est bien, hein, Tintin?
regardez cette boucle de ce mois. Avec ce soleil qui baisse déjà, hein, c'est quasiment un soleil d'hiver. Hein. Il est tôt parce que quand je suis parti, il était 13h. Ça fait à peu près une heure que je marche, hein, donc il est aux alentours de 14h. Regardez ces beaux reflets argentés. Et voici les couleurs de l'automne. De l'automne en Ardennes et en Valais de Semois. Et voilà mes copines les chèvres. Ah ouais, elles sont protégées parce qu'avant elles arrivaient jusqu'à nous. Maintenant il y a un guillage qui les protège parce que bon, les gens leur donnent du pain, leur donnent n'importe quoi. Et en fait c'est pas leur nourriture de base. Hein. Et oui les copines. Ah, puis voilà le copain, l'âne. Regardez-moi ça. Comme il est beau, le copain. Voilà, une petite résidence secondaire ici. Ne me déplairait pas du tout. Bah, c'est pas tant la caravane, hein. Mais voilà la petite cabane en bois là-bas au fond du jardin. Ferait l'affaire. Je voulais évidemment parler de cette petite cabane à outils. Regardez, bah, une fenêtre. Il y a un toit. Il est assez long et assez large. Pour moi, ça me suffit. Voilà. Pour pas grand chose, moi. Alors, ou alors celle-là, mais là, on est carrément dans un palace, hein, les copains. Bon, là, ça serait indécent, c'est carrément le Ritz, là. Hein. Eh bien, voilà déjà le chemin du retour. Bon, je me suis fait un petit 8 km aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal. Voilà le Nantaru. Altitude 175 mètres quand même. J'ai lu récemment dans une revue scientifique que le fait de marcher une demi-heure voire plus régénérait les cellules, apaisait le système nerveux et régénérait, paraît-il, le cerveau. Encore faut-il en avoir. Donc est-ce que ce principe de régénération va trouver le mien? En tout cas, ben, ça fait 2h30 que je marche. Il me reste un petit kilomètre avant de rentrer. Et puis bah, on verra bien si mon cerveau est aéré, s'il n'y a pas un grand ventilateur entre les deux oreilles, comme mon ami Eric Azouz. Tu t'en souviens, mon zouzou, hein? Qui c'est qui avait dit ça? Ton bon chef de service. Allez, voilà, c'est la fin de cette promenade. Bah, il est déjà un peu plus de 15h, étant parti à 13h, le temps de rentrer, voilà, ça fera le compte, un peu plus de 2h. Mon cerveau va être tout neuf. Allez, à la prochaine fois pour d'autres aventures.